il y a énormément d'épiceries, de restaurants chinois. Et aujourd'hui, on va tester un de ces restaurants qui est très connu ici puisque c'est un des plus, vraiment des moins chers et les meilleurs du quartier. Donc, bon, on va pas aller là finalement. Non, tu le sens pas. Noah ne le sent pas. Donc on va peut-être éviter. Je remets mes lunettes. Et donc on va essayer de trouver autre chose, je ne sais pas. Pas envie non plus d'avoir une gastro ni de mourir. Noël, il faut vivre dangereusement. La vie est dangereuse, il faut vivre dangereusement. Voilà, donc finalement on va tester le Y Wing Fast Food. Ça paye pas de mine, mais il paraît que c'est bon. Bon, finalement on va prendre des soupes de nouilles au bœuf. Et des dim sum aussi pour goûter, ça a l'air bon. Et après je ne sais pas ce que Noël va prendre. A pris des Japanese shomai. Je sais pas ce que c'est, on va vous mettre l'explication en dessous. Il y a des foie lumpia. Là c'est les dim sum. Je sais pas à quoi, le bœuf. Non, pas bœuf, porc. Bœuf. Mais ça c'est une soupe de bœuf, si on a déjà goûté, c'est super bon. Ah, c'est super bon. Le lumpia. Bien. Ouais, la soupe elle est terrible. Super bonne. Bon morceau de bœuf. Regardez-moi ça. Quelle merveille. Super bien assaisonné. Ça c'est vraiment de la bonne nourriture chinoise authentique. L'addition, alors vous allez voir, le chiffre c'est exceptionnel. 700 pesos quoi. Ouais, bah, pour tout ça quoi. Donc c'est vraiment un très 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 bon plan. Maintenant on est dans les quartiers forcément plus populaires, donc les prix sont moins chers. Mais bon, bah, super resto, on a mangé comme des rois, on est bien rempli. Comme quoi il faut pas toujours se fier aux apparences, c'est pas parce que l'aventure du resto n'a pas l'air exceptionnel que la bouffe n'est pas bonne. Et là on a vraiment trouvé un super endroit et on en a eu pour 700 pesos. Chinois authentique. Voilà, chinois, donc cuisine chinoise vraiment authentique. Et au final 700 pesos. Ouais. Excellent rapport qualité-prix, pour nous c'est 5 étoiles. Binon 2 est devenu le principal centre commercial et financier de Manille pour les Chinois et les Philippins métissés. Aujourd'hui encore, un quart des importations des Philippines proviennent de Chine. Nous avons d'ailleurs visité un de ces marchés remplis de produits chinois. Greta Thunberg va aimer ici, je pense. Greta va aimer ici.